a quelques prétendants à de bonnes places dans la 208 Rally Cup, donc on est plutôt content avec Bruno Ribéry qui connaît bien le terrain et qui va globalement assez vite sur asphalte. Et au niveau du CRT Junior, on a Romain Diffande qui est chez lui. Donc globalement, pour l'instant, tout se présente bien. On a un des meilleurs pilotes du plateau avec Roger, donc l'objectif c'est le scratch, il faut l'avouer, et puis potentiellement une bonne place dans les autres formules de promotion, notamment en R1 et en 208 Cup. Présente très très bien puisque Serge Aymar est en tête de la catégorie N4. Malheureusement en GT10, Olivier Pontieux a été contraint à l'abandon sur une rupture d'amortisseur avec la Porsche Cayman. Et évidemment ça se présente bien puisque Sylvain est largement en tête de la catégorie R5. Gauche 120 puisqu'il tourne vite. Pour attention frein, droite 110 Mita. Pour gauche 161, ferme 80 moins de tour et 50 mètres. Et droite 140 Mita.